et salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, comme d'hab. Alhamdoulilah, comme on dit. Aujourd'hui, on va coder. Donc, je vais coder en fait un petit clone de Netflix avec l'API Movie, avec React.js sans TypeScript, juste du React.js basique. Alors, à la ligne 16, j'ai un peu avancé. En fait, ce que j'ai fait de la ligne 16 à la ligne 20, c'est que je vais faire une petite fonction qui va me permettre de choisir un film de manière aléatoire qui sera en fait sur la page d'accueil. En gros, on aura une affiche aléatoirement à chaque fois qu'on viendra sur cette page-là. J'ai avancé, j'ai perdu un petit bout au montage, je suis désolé. Donc, je vais tout commenter, on va refaire. Donc, l'aide originale, en fait, là, ce que je fais, c'est que je vais filtrer la liste de tout, des films que je récupère là, donc à la ligne 12. Et en fait, quand je filtre, moi, je veux le slug top rated. Donc, ça va filtrer, ça va me sortir que ces films-là qui sont les mieux notés. Donc, ça sera dans... Enfin, c'est dans ma variable originale. Maintenant, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mat random. Ça me permettra de faire... de les sectionner de manière aléatoire. Et mat floor pour arrondir ça, pour pas avoir un chiffre... un chiffre avec des virgules derrière. Donc là, j'ai un petit chiffre qui sort dans ma console. Et donc après, ce que je ferai, c'est que j'en choisirai qu'un seul. Je ne vais pas en choisir plusieurs pour les afficher, j'en afficherai qu'un seul. Mais si vous voulez, en fait, à chaque fois, le nombre, il change. Donc j'aurai le film qui sera à l'index 14, j'aurai le film qui sera à l'index temps. Et à chaque fois, ça changera, quoi. On va faire un petit console log de chosen, voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, faut que je mette des crochets ici. Voilà, donc là chosen, ici j'ai le parrain. Si je recharge, qu'est-ce que j'aurai après? Voilà, j'ai un autre film, j'ai les évadés. Donc on choisit bien un film de manière aléatoire, c'est parfait. Là maintenant j'ai des informations, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en gros faire un appel sur cette route movie slash movie ID, vu que j'ai des informations. Et en fait, en faisant cette méthode, on fera comme quand on a récupéré tous les films, on aura beaucoup plus d'infos sur ce film là en particulier. Donc on va voir un peu comment ça marche. Faut que je mette l'ID du movie plus la clé, l'API key. Donc voilà, le movie ID ici, et donc la clé API dans mon .env, voilà. On est bon, voilà, donc là je récupère vraiment énormément d'infos sur ce film-là en particulier, c'est bien. Donc on va pouvoir bosser avec ces informations. Voilà, revenons dans notre code, donc dans notre fichier API Movie. Là, on a récupéré tous les films avec cette fonction GetHomeMovie. On va en créer une autre pour récupérer un seul film. Et en fait, on passera l'ID en paramètre et le genre. Comme ça, on va. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc, c'est pareil, hein, une fonction asynchrone. On va attendre quelque chose. Donc comme j'ai dit ici, on va passer le movie ID plus le type. Donc en fait, le type, il va nous servir puisqu'on va faire une petite condition pour savoir si c'est un type movie ou c'est un type film. Et en fonction du type qui est donné, on appellera
On récupérera les données qu'on voudra afficher sur la page d'accueil. Donc let info, ça sera un tableau vide. Donc là, on fait la condition seulement si on a un movie ID. Si on n'a pas, on fera, on récupérera, on va rien récupérer. Voilà. Donc un petit switch. Donc dans ce switch, on mettra le type. Donc en fonction du type, on appellera une URL différente. Donc movie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la même fonction, fetchMovie, et on lui passera un différent slug à la fin. Donc fetchMovie. Donc voilà, à la fin de la condition, bien bien retourner quelque chose dans info. Donc ici, ça sera movie slash movie ID. Donc c'est ça qu'on passera en paramètre de notre fonction fetchMovies. Bon, on garde le nom fetchMovies, même si on récupérera quand même des séries ou des films, on laisse le même nom comme ça. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc comme je vous disais, en fonction du movie ID qu'on va récupérer, on appellera ce film-là, on récupérera les informations qui seront stockées dans notre tableau qui est à ligne 48 dans Info. Voilà, on fera de même avec les séries. Donc on mettra TV au lieu de mettre movie. Voilà, on voit que c'est la même. Donc ici, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler chosen info. Et en fait, celui-ci va comporter les informations qu'on aura récupérées grâce à notre API. Donc apimovie.getMovie. Et là, on va lui passer des paramètres. Donc chosen, on avait bien un objet dedans, donc chosen ID pour récupérer le movie ID qu'on avait créé dans notre fonction. Et je lui passe le string movie car moi j'ai envie d'avoir un film sur ma page d'accueil et pas une série. Donc on va déjà vérifier si on récupère bien quelque chose, si tout marche bien, tout fonctionne bien. Voilà, on actualise. J'ai bien quelque chose. Ça, c'est bien un film.
Et là, si je modifie, est-ce que j'aurais bien une série? On va voir ça tout de suite. Qu'on actualise. J'ai pas beaucoup d'infos, mais on dirait bien que c'est une série. Là, pareil, on va créer un state pour avoir cet unique film en page d'accueil. On va l'appeler featured. Yes, featured data. Au début, il sera nul. Donc là, set featured data à la fin de ma fonction. Comme ça, je remplis mes features du film que j'ai récupéré. On passe à la création du composant featured movie. Donc voilà, le feature movie sera tout en haut, juste au-dessus de tous les films qu'on récupère, juste au-dessus de ma liste. Et on va l'afficher uniquement si on a des features data. Uniquement si on a un film, on va afficher. Sinon, ça sert à rien d'afficher ce composant-là. Composant, on le voit tout en haut, il s'affiche bien. J'ai un film, donc le composant naturellement il va s'afficher. Bon, let's go pour faire le HTML de notre page. Premièrement, ce qu'on va lui faire déjà, c'est qu'on va lui donner des props. On va lui donner notre feature data qu'on va appeler film. Voilà, on lui passe ça. Ici, on va déstructurer directement. Donc, on sait que l'objet qu'on veut, il s'appelle film. On va faire un petit console log pour être sûr qu'on récupère déjà bien notre props. Voilà, là j'ai écrit film au lieu de films, donc naturellement j'aurai rien du tout. Et là, si j'actualise, on voit bien que dans ma console, j'ai toutes mes données. J'ai mes données qui sont arrivées. Bon, let's go pour créer notre HTML, la structure de notre page. Donc, on va faire ça déjà, on va créer une section pour ça.
Voilà, donc là, le titre de mon film dans la petite div ici. On va bien styliser ça plus tard, mais là, on fait vraiment la structure là. Donc j'aurai d'abord mon titre, après j'aurai mes informations, les infos du film. Donc qu'est-ce que je vais mettre dedans? Voilà, je vais mettre la note. Je vais mettre la note et la date de sortie du film. Donc là, release date. On va pas formater, on va rien faire, on va mettre tel quel. Donc ici, on va juste mettre le title, puisque le original title, il est dans la langue enfin, de la langue dans laquelle le film est sorti en premier, donc la langue originale. Film title, on a le titre en français. Donc on continue ici, on va mettre, je pense, la description du film. Voilà, overview, on va mettre la description juste ici. Ouais, ça commence à bien se remplir. On a beaucoup, enfin, on a des petites infos par-ci par-là. Donc là, juste dans cette section des boutons, je vais créer deux boutons après. Je vais créer le bouton play et le bouton ma liste comme ils ont sur Netflix. Donc voilà, on a nos deux boutons, pas stylisés, mais ils sont là. On va rajouter aussi les genres. Donc là, je vois que c'est un tableau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite fonction en haut, une petite fonction toute simple, hein.
Je vais créer une petite fonction en fait qui va me permettre d'avoir les genres à la suite. En gros, ça mettra animation, action, enfin, séparé d'un petit tiret. Donc, on va créer déjà un tableau vide. On va faire une petite for loop. Voilà, let genre in genre. Voilà, je vais vérifier. Voilà, c'est bon, dans mes genres, j'ai bien mes. J'ai trois choses là. Je vais faire un join maintenant. Je vais les joindre en fait ces trois propriétés-là par un petit tiret. Donc un petit genre, pas un join. On va mettre voilà, des petits tirets entre chaque propriété. Non, une petite virgule entre chaque propriété, c'est mieux. Et un espace derrière pour qu'il soit bien espacé. Voilà, on retrouve bien ça. La structure de notre composant il est créée. Maintenant, on va passer au CSS. On va styliser ça. Là, ça ressemble vraiment à rien. Là, juste avant de commencer le CSS, ici je vais rajouter un petit style. En fait, ça va me permettre d'avoir l'image directement. Comme dans le CSS, je ne pourrais pas obtenir l'objet où est-ce que l'image est stockée. Donc le background, on va mettre un petit background size, un petit background image où est-ce que l'image, ça sera en gros le backdrop. Je crois que c'est ça l'objet, film.backdrop. En gros, ça sera l'image de couverture.
Voilà, ça ressemble bien à quelque chose, ça commence à ressembler à Netflix, c'est assez mignon. Ce que je vais faire là, je vais réduire un peu ma liste de films, je vais réduire ça, c'est trop gros. Donc là, on a une très belle page. Il nous manque juste un petit logo Netflix en haut avec un petit logo pour l'image de profil. Donc on va créer déjà un header, header.js, header.css. Et let's go, on va faire un petit header tout simple.
Voilà, une belle navbar avec le logo et une petite image de profil. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer une petite lib pour avoir des icônes. Comme ça, en gros, j'aurai les petites flèches comme Netflix pour dire, en gros, vous pouvez aller vers la gauche ou aller vers la droite, cliquer. Donc, tout de suite, on va dans la documentation de Hero Icons. En fait, d'habitude, j'utilise avec Tailwind. Enfin, j'ai l'habitude d'utiliser cette librairie-là. Copier la petite commande, donc npm install hero icons pour React. Dans la console, vous collez ça, ça va l'installer directement et on pourra l'utiliser pour avoir des belles petites icônes. Là, on va rajouter juste en dessous de notre titre deux divs, en gros pour avoir des flèches vers la gauche et des flèches vers la droite. Et on fera après avec le CSS un petit effet over en fait. Sur chaque ligne, dès qu'on passera la souris, les flèches elles vont s'afficher. De base, on ne va pas les afficher. Et à chaque fois qu'on passera sur la ligne des films, là on verra nos flèches.
Voilà, on a notre clone de Netflix super simple avec une petite animation sympa. Donc, quand on passe sur chaque ligne, on a nos flèches qui s'affichent. C'est responsive, pas mal. Donc, là, la dernière étape, ce qu'on fera, c'est qu'on va le déployer. On va le mettre en ligne sur Netlify gratuitement. Donc, là, vous créez-vous un compte Netlify. Voilà, juste avant de le déployer, quand même, il faut faire la petite commande npm run build. Voilà, npm run build. Donc maintenant, on a un dossier build qui est prêt pour partir en production, prêt pour partir en ligne. Donc sur Netlify, vous allez déployer ça manuellement. Vous allez chercher votre dossier build. En fait, il y a d'autres manières de déployer, mais ça, c'est la manière la plus simple. J'ai pas lié GitHub à mon compte, donc je pourrais pas le déployer de cette manière-là. Là, là c'est vraiment la manière la plus simple. Donc là, maintenant, ça charge. Il faut attendre un petit moment. Ça prend 1 minute, 2 minutes. Voilà, là, on voit published. On peut cliquer sur le lien. On voit que c'est une URL qui est en ligne. Donc là, c'est bon, le site il est déployé. Il peut être dans le portfolio, il n'y a aucun problème, c'est gratuit. Là, vous pouvez être dans Domain Settings pour modifier l'URL. Donc vous mettez un peu voilà ce que vous voulez, vous personnalisez à votre guise. Voilà, once YouTube, voilà, upload. Franchement, on a quelque chose de super sympa. Ça, c'est un bon truc à montrer à mon recruteur. C'est un beau projet, je trouve. Moi, je l'avais fait en mode portfolio. J'ai cloné Netflix, j'ai fait beaucoup plus de fonctionnalités, j'ai mis beaucoup plus de temps. Là, j'ai voulu faire vraiment quelque chose de simple. Donc là, vous voyez, vous avez deux vues comme sur Netflix quand vous arrivez, un petit logo. Donc notre page d'accueil. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis à jour. Donc là, sur chaque ligne, en fait, j'ai soit mes projets. Là, j'ai mes web projets, mes projets mobiles, mes expériences, mes articles de blog et mes hobbies, hobbies. Donc là, en gros, si vous cliquez play, enfin vous cliquez, vous avez déjà une petite présentation. Faites là ici, je voulais faire deux vues différentes en fonction d'où on cliquait, mais j'ai vraiment eu la flemme. Je me suis dit, c'était beaucoup trop de travail. Moi, j'ai pas de flèche à gauche ou à droite, c'est juste un slider. Donc même si on est sur mobile, ça fonctionne. Sur chaque projet, il y a une démo. Il y a soit le lien vers le projet ou une petite démo vidéo pour montrer, voilà, une petite présentation du projet, quoi. Et quand ça charge, il y a le petit tout-doum comme dans Netflix. Franchement, c'était un beau truc à faire. C'était un beau projet à faire. Donc voilà, c'était le clone Netflix avec l'API Movie. J'espère que vous avez bien aimé. Je ferai de temps en temps des petites vidéos comme ça où on va cloner des sites, on va faire des petits projets débutants, un peu plus intermédiaires, avancés. Ça dépend, mais je ferai comme ça de temps en temps des petites vidéos coding. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne et à partager vraiment. Merci à vous. Eido!